Could you please give me your name? Boubacar Diallo, né le 25 août 1988 à Dakar, je suis sénégalais. Il parle très bien français. Hein bah, C'était pas ce que vous vouliez. y a un problème. Est-ce que vous pourriez hésiter un petit peu plus avant de répondre Par les petits nègres, quoi. Moi, je voulais quelqu'un qui soit convaincant et dont je sois absolument sûr qu'il serait d'aucun cynisme qui serait d'une sincérité, qui jouerait la sincérité complète sans jamais vouloir donner plus de cynisme au personnage qu'il n'est. Et quand je voyais Tom à la télévision chez Thierry Ardisson ou en l'entendant avec Nagui sur France Inter, je me disais, il a toujours, il donne toujours l'impression, il dit des horreurs sur des invités ou des invités, il dit des choses extrêmement précises et méchantes, mais avec une sorte de d'étonnement que ça la puisse blesser ou même faire rire. Et je me disais, c'est très précieux parce que souvent quand même dans notre habitude francophone, il y a toujours, on aime bien toujours glisser un truc un peu cynique pour dire je suis plus intelligent que ce que je suis en train de vous dire tom au contraire il jouait à la télévision ce truc complètement euh, je dis des choses comme ça ah bon ça vous blesse ah ça vous étonne mais ah bon je pensais, excusez moi alors j'aurais pas imaginé que et comme je voyais les personnages de 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 de, 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 de macron un peu de cette même façon je me dis il va faire ça parfaitement parce qu'il essaiera jamais de jouer en fait une sorte de petite lumière dans les yeux du personnage je vais plutôt se dire la lumière c'est la sincérité c'est des gens qui disent des énormités mais qui sont très sincères et donc j'étais sûr que ça marcherait et ça a marché euh, Formidablement bien. Effectivement, quand on voit des gens comme Gabriel Attal, comme Marlène Schiappa, euh, qui sont globalement des trentenaires, qui sont plus des communicants que des, des politiques, dans le sens où euh, est-ce qu'ils ont euh, été faire les, tous les marchés tous les dimanches, etc., je ne suis pas forcément sûr. Voilà, ils apportent des éléments de langage et j'ai l'impression de les voir tous les matins à la télé ou à la radio. Je suis... Mais qu'est-ce que c'est pas d'autres trucs à faire quoi de... Donc voilà, donc là c'est quelqu'un de l'ombre, le, le conseiller spécial de, de Macron que je joue, mais effectivement, c'est un cousin de, de ces gens-là, quoi. très grave si les gens n'ont pas vu les trois autres films donc il faut que les deux autres il y a absolument qu'ils aient cherché sur euh, les plateformes pour le, le, acheter le film non il y a pas besoin d'avoir vu les autres films les films se comprennent de façon de façon complètement individuelle ça raconte chaque fois une petite histoire du bout de l'Europe euh, une histoire interpersonnelle entre des personnages qui n'ont pas grand chose à faire ensemble mais qui se retrouvent pour une raison pour une autre obligés de cohabiter dans un territoire qui n'est pas le leur donc une fois c'était le Portugal de la Révolution des œillets en 74 une fois c'était la Pologne euh, de, de 2005-2006 qui était là, de, là où ma famille vient et puis là c'est le sud de l'Italie où on se retrouve dans un camp de migrants avec une visite en fait de, de Macron et Merkel qui doivent venir dans un camp et on voit un peu la façon dont les choses s'organisent mais la thématique c'est peut-être d'essayer de raconter de manière personnelle l'histoire de ce continent et de se dire que quand vous êtes français, suisse ou, ou belge ce qui se passe en Italie vous concerne ou la révolution portugaise elle me concerne moi en tant que citoyen suisse pour plein de raisons aussi ou la Pologne peut nous concerner même si on n'a jamais foutu les pieds et c'était un peu ça l'idée c'était de, de, de raconter des histoires vraiment personnelles, pas politiques d'abord mais vraiment le parcours de personnages et puis Infusera tout seul une idée politique sur qu'est-ce qui nous rassemble, toutes et tous les Européens, les uns avec les autres Bah, si, parce que montrer un. Faire la, se faire la critique de l'Europe, c'est d'abord dire qu'on l'aime profondément, mais que notre travail, c'est de la critiquer, c'est de. voilà, en tant que citoyen européen, que vous soyez d'ailleurs dans l'Union Européenne ou pas, les Suisses, même en dehors de l'Union Européenne, en fait, ont accepte toutes les lois, font partie de Frontex donc sont complètement partie prenante de la politique migratoire européenne, notre travail c'est de la critiquer donc en cela le film oui est forcément un peu politique, la Suisse c'est parce que j'avais envie de filmer ma sœur et mes, mes, mes nièces et que je me suis dit voilà il y a au moins un élément suisse dans le film, on va entendre une fois le nom suisse c'est quand même un film pour lequel la Suisse a donné beaucoup d'argent il n'y a pas de personnages qui sont des personnages suisses je me dis ils vont quand même un peu tirer la gueule donc il y a... Euh, Ursina Lardi est suisse par contre est suissesse, ouais, la, celle qui joue l'allemande en fait est une suisse donc... mais, mais sinon effectivement c'était plus un petit clin d'œil. Moi, j'ai l'impression que je donne beaucoup de liberté. Tout le monde me dit, mais t'es hyper précis. Mais après, moi, j'ai l'impression, oui, non, mais, mais, il euh, y a quand même des choses que, qu'on a retirées ou Il y a des répliques que Tom a trouvées tout seul. Je pense qu'il y a des choses que Tom dit. Moi, j'ai de la peine, après, quand le film est fait, parce que je me souviens plus qui a fait quoi sur le film. Ouais, mais alors, pour moi, c'est plus, alors, euh, c'est plus un global. Enfin, c'est pas, justement, on n'est pas à la fin du marché en train de compter qui a apporté quoi, qui a apporté qui. Non, non. En, 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 réalité, Lionel laisse une énorme euh, euh, porte ouverte si on a envie. Euh, et puis après il voit si au montage il a envie de garder ou pas. Mais, mais pour de vrai, moi quand j'ai lu le scénario, la première fois, je, je voyais tellement ce personnage et il y avait des scènes que j'avais envie de jouer, mais il n'y avait pas un autre personnage en tout cas que j'aurais aimé ambitionner, jouer vraiment. donc c'était vraiment très très bien écrit naturellement, donc il n'y avait pas grand chose à rajouter. Ouais, alors il manque le, la il manque, il y a la Chine, <rire> <rire> le Grand Est, est hein. pas non, mais... et il manque le Nord, il manque l'Ecosse, hein. donc voilà, mais j'attends un peu parce que je dois faire quelques films avant celui-ci, puis j'attends le, le fait que l'Ecosse quitte le royaume de, de, de Grande-Bretagne, qui se sépare. Bon, on a une grosse avancée depuis la semaine dernière, <laughs> parce qu'ils aiment pas trop Charles III, donc je me dis, hop, oh, ça va précipiter peut-être un peu les choses, mais c'est pas pour tout de suite, mais l'idée, c'est, voilà, ça se fera peut-être dans, vous voyez, entre les grandes ondes et celui-ci, après ces dix ans, entre comme des voleurs et les grandes ondes, il y a 8 ans, je crois, donc euh, c'est pas forcément pour tout de suite. Euh, des de films de cinéma euh, oui j'ai fait une petite euh, euh, apparition dans le premier film de Jérôme Commander euh, j'ai fait un, une petite apparition aussi dans Neuilly sa mère sa mère mais euh, bah non mais c'était le, le premier euh, euh, beau, beau, beau rôle euh, qu'on m'offrait au cinéma donc euh, merci pour ça euh, Lionel et puis en scène, tout à fait, le, le spectacle Les Nommés -Sons qui tournent un petit peu partout en France, je, en Suisse. Je suis pas sûr qu'on passe, mais on doit pas passer très très loin de la frontière. Et sinon à Bobino, à Paris, le 11 janvier. Voilà.